Ce que j'apprécie particulièrement dans ces pays de soleil, c'est de regarder le soleil assis à l'ombre. Patience, camarade. Quand nous serons à cheval dans le désert, mon maître et moi, tu feras de moi ta merci. Pour l'instant, chauffe-moi les pieds. Vous autres chrétiens, vous parlez avec le soleil ? Moins souvent que nos ancêtres gaulois, mais ça nous arrive encore. Tu vois, moi, à ta place, c'est la raison qui suffirait à me faire changer de religion. Notre bon Dieu nous a donné un soleil plus doux. Je veux bien servir les chrétiens, mais pas leur Dieu. Si mes frères de race l'apprenaient, ils me massacrent. Oh, dommage, tu feras un charmant petit renégat. Dis pas ce mot, même pour rire. Le seigneur Cadour ne plaisante pas avec les renégats. S'il t'entendait, si petit que je sois, il envoie ses hommes pour me prendre et m'attache à un rocher dans le désert, jusqu'à ce que je sèche. Au soleil de Mahomet. Et tu crois que le seigneur Cadour va venir te chercher ici? Dans ce cas, petit, restons à l'ombre et laissons le soleil mûrir nos raisins. Tu aimes les raisins, capitaine? Oui, mais distillés, ma belle. Tu veux goûter? Non, chaud. Aïe. Fini la belle vie. Le moment est venu de revoir le soleil en face. Tu voulais faire boire de l'alcool, un jeune garçon? Juste un peu. Tu sais très bien ce que j'en pense. Ce n'est pas un jeu, Blanchot. Sa religion ne lui permet pas d'en boire. Tu ne changeras jamais. Dans la mer, voilà qui serait de saison. Nous n'irions pas vers Saint-Jean-d'Acre, par hasard. Alors, t'es toujours fâché? Je n'aime pas les gens qui n'ont pas de respect pour les croyances des autres. Allez! Seulement nous pouvions rencontrer une patrouille de pillards, de Turcs égarés. Si seulement je pouvais faire un prisonnier. Ah, j'aimerais faire un prisonnier. Je lui attacherai les mains derrière le dos et il monterait en selle derrière moi. De ma vie, je n'ai eu une telle envie de faire un prisonnier. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'avec lui, au moins, je pourrais faire la conversation. Je n'ai pas envie de te parler. Va au diable. Sois muet si ça te chante, moi j'ai de la ressource. Tout à l'heure, je parlais avec le soleil, maintenant je vais parler avec mon cheval. Je n'ai aucune envie de rire non plus. Tu entends ça? Hein? Toi, quand je te fais briller le poil, tu ris. Tu ris de ton bon rire de cheval. Quand je te donne de l'eau, tu secoues la tête de haut en bas. Pour me dire merci. Hein? Mais lui, cet humain, ce chevalier, c'est le chevalier de l'ingratitude. Quand il était petit, j'étais sa nourrice. Je lui ai appris à manger, à s'habiller. Et j'en passe. Je lui ai appris à parler. Et je me demande pourquoi aujourd'hui. Tiens. Quand il n'avait pas 15 ans, c'est moi qui l'ai emporté une nuit du château de ses parents. Les décombres du château que les infidèles avaient ruinés. Ses parents tués, et lui seul survivant. Je crois qu'il a oublié le château en flammes, et cette fuite dans la nuit. Si au lieu de bavarder, tu te donnais la peine de regarder, tu saurais que je n'ai pas oublié. C'est ici que tu me ramènes? Tu pouvais pas le dire plus tôt. Ah! Les infidèles qui se battent entre eux. Ils sont quatre. On laisse faire? En effet, ils sont quatre. Mais tu ne vois pas qu'ils sont trois contre un? Ah! Alors, on y va! Allez! Allez!
piton, se croirait au tournoi. Et hop, une feinte. Une deuxième feinte. Oh, c'est beau. Tu as vu cette parade? Le cavalier arabe se bat comme un dieu. Décidément, dans tous les domaines, on a à apprendre de ces gens-là. Je suis très heureux de te l'entendre dire. Parler la langue franque? Alors réponds bien haut et que ceux-ci nous jugent. Pourquoi m'as-tu attaqué? Je ne sais pas. Quelqu'un t'avait donné mission? Oui. Qui? Kadour. Pour me voler? Non. Pour me tuer? Oui. Va dire à ton maître que Ben Yacoub ne répond pas à la haine par la haine. Va. Merci pour la démonstration d'escrime. Et merci pour la leçon de générosité. Moi, chevalier franc, je l'accepte volontiers d'un chevalier arabe. Ya, ya. Si nos coutumes sont différentes, les lois de l'honneur sont les mêmes partout. Qui est ce Kadour? Un pillard? Non, pas un pillard. Un chef de nomades turcs. Un fanatique. Longtemps, il a vécu en amitié avec notre maison. Enfin, je veux dire, la maison de l'émir de Kerboga. Car je suis le chef de sa garde. L'émir de Kerboga a donné une de ses filles en mariage à un neveu de notre roi. Justement, ce mariage fut un crime aux yeux de Kadour. Un crime contre notre foi. Depuis, il poursuit de sa haine tout ce qui touche à la maison de l'émir. Il pense, par cette vengeance, servir notre Dieu contre celui des chrétiens. Pouvez-vous comprendre cela? Hélas, nous avons aussi des fanatiques parmi les chevaliers francs. Voilà pourquoi ces hommes m'ont fondu dessus tout à l'heure. Voilà pourquoi, en échange, j'ai essayé de lui rappeler que dans le Coran, aussi bien que dans votre évangile, il y a place pour la charité. Quant à vous, je pense que vous pouvez sans crainte traverser cette terre. Pourvu toutefois que vous ne soyez ni l'un ni l'autre le mari d'une musulmane. À part son fanatisme, Kadour est bon chef et homme d'honneur. Nous ne pensons pas rester ici plus d'une heure ou deux. Nous ferons étape près des ruines du château. Ah, près de l'ancien château franc. Alors permettez-moi de vous y donner rendez-vous. Je vais tout près d'ici accomplir une mission très courte et avant une heure, je serai de retour. Est-il indiscret, chevalier, de vous demander en quoi ces vieilles ruines vous intéressent? Ce fut là jadis le château de mon père. Je viens seulement pour me recueillir sur la tombe de mes parents. Moi non plus. Qui donc a pu entretenir ces tombes? Et depuis plus de 10 ans. Oui. Yasmina! Yasmina! Comme elle a grandi! Heureusement pour moi, j'avais 6 ans. Yasmina, tu es revenue ici après tout ce temps passé? Je viens tous les jours avec mes moutons. Elle a de la suite dans les idées, hein? Ta pauvre maman lui disait toujours, quand tu seras grande, tu seras mademoiselle d'honneur. Elle répondait, non, bergère. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre pendant ces 10 ans? Je vous ai attendu. Les tombes de mes parents, c'est toi? Oui. Cache-toi. Jetez vos armes. Qui êtes-vous? Kadour.
Que veux-tu de nous? Vous êtes des Francs et vous êtes sur mes terres. Ces terres furent aussi les miennes. J'y suis né. Tu es Thibault, fils de Renaud? Je ne suis pas revenu pour te disputer ces ruines, Cadour, ni cette terre. J'en revendique qu'une petite parcelle. C'est encore trop. Juste la place nécessaire à deux corps couchés. Je sais. Les corps de mon père et de ma mère. Tu es donc Thibault. Dommage. Pourquoi dommage? Je t'estimais sans t'avoir vu. Je te regarde et je t'estime encore. Jetez vos armes. Il ne vous sera fait aucun mal. Seigneur Cadour, je suis le baron de Blanchot. Bougez pas ou votre chef est mort! Blanchot, il te tendait la main, c'est de la traîtrise! Au diable, Thibault! S'il y a traîtrise, je la prends pour moi! Laisse ton écuyer tirer l'affaire! Je te demande de le relâcher immédiatement! Pas question! Blanchot! Quel dommage, en vérité, que tu sois Thibault. Pourquoi dis-tu cela? Je t'estimais. Je t'admire. Seulement, il y a une chose que tu ne peux pas me pardonner. Et une chose que je ne te pardonnerai jamais. Tu vas comprendre. N'as-tu pas honte de profaner des tombes? Non, pas des tombes. Une tombe. Une seule. Et tu sais pourquoi? Ta mère était arabe, Thibault. Elle a épousé un chrétien et elle se fait chrétienne. Une renégate! Une musulmane qui renie sa foi est une chienne. Et il n'y a pas de sépulture pour les chiennes! Jetez pas la croix aussi! Je devais te dire ces choses-là. Elles sont dites. Tu es un homme de devoir. Tu dois comprendre que je le suis aussi. 10 fois j'ai détruit cette tombe. Elle a été relevée 10 fois. Je veux savoir par qui. Peut-être celui-là parlera. À terre! Pitié. Je dirai tout. Pitié, c'est moi. C'est moi. Je viens ici de temps en temps pour entretenir les tombes. Pour les restaurer. C'est bien. Je vais être obligé de te châtier. Je t'emmène. Tu seras vendu comme esclave. Bon, tu es libre! Pardonne-moi, je ne veux pas que tu me poursuives. J'emmène ton cheval. Qu'ils auraient dû emmener.
Un verre à Nadia. Et du nuage. Heidi. Baron de Blanchot, tes ruses ne trompent pas Cadour. Je suis sûr que quelqu'un se cachait là-bas. Je vais bientôt savoir qui. Ici. Non. Viens ici! Je t'ai déjà dit que je voulais épargner ta vie. Mais prends bien garde de me toucher encore une fois. Ce n'est pas à toi que j'en ai, mais à la gardienne des tombeaux. Chienne! Et tu es notre sort de race. Et tu honores les sépultures chrétiennes. Chienne qui a nourri une chienne! J'arrive! Prépare-toi! Ya! Ya! Oh là-haut! À nous! Cadour! Cessons de nous battre! Laisse-moi te parler! Épargne cette jeune fille! Oublie ton fanatisme! Rends-la nous! Que veux-tu en faire? Que t'importe une femme arabe, chrétien? Je suis son demi-frère par le sang, et je suis le tien aussi. Si je te la rendais, tu l'épouserais? Je l'épouserai. Tu parles sérieusement? Je le jure. Je le jure par les croix de ces tombes. Tu veux l'épouser? Alors, à une condition. Fais-toi musulman! Tu hésites? Qui de nous deux est le fanatique maintenant? Fais-toi musulman et nous serons frères tout à fait. Je te rends celle-ci et elle sera ta femme. À moins qu'elle n'ait déjà renié. Aurais-tu déjà renié? Oui. J'ai renié. Chienne! Là, tu vas mourir troué par ta propre lame. Ha!
Demande au dieu des chrétiens de te fournir une épée. N'ajoute pas ta mort à ce massacre! Jette ton épée! Ah!